بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours des fonctions exponentielles niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre dans R les deux équations suivantes. Première équation, 10 à la puissance x plus 2 est égal à 5. Deuxième équation, 7 à la puissance x est égal à 21. Réponse. Et on commence par la première équation, soit x appartenant à R, on a 10 à la puissance x plus 2 est égal à 5. Donc, ceci implique que logarithme de base 10, qu'on note log tout simplement, de 10 à la puissance x plus 2, est égal logarithme de base 10 de 5. Logarithme de base 10 de x à la puissance, de 10 à la puissance x plus 2, c'est x plus 2, log de 10, qui est égal log de 5. Log de 10, c'est 1, donc c'est x plus 2, est égal log de 5. Ceci implique que x est égal à moins 2 plus log de 5. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est le singleton moins 2 plus log de base 10 de 5. Ou bien log de 5. Passons maintenant à la deuxième équation. Soit x appartenant à R, on a 7 à la puissance x est égal à 21. Ceci implique que logarithme de base 7 de 7 à la puissance x est égal logarithme de base 7 de 21. Ceci est égal x logarithme de base 7 de 7 plus logarithme de base 7 de 21. 21, c'est 7 fois 3. Donc, logarithme de base 7 de 7 plus logarithme de base 7 de 3. Logarithme de base 7 de 7, c'est 1. Donc, c'est x fois 1 est égal à 1 plus logarithme de base 7 de 3. Donc, x est égal à 1 plus logarithme de base 7 de 3. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est le singleton 1 plus logarithme de base 7 de 3. Ou bien logarithme népérien de 3 sur logarithme népérien de 7. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. Très bientôt.